Je suis overpower. Punaise. Attaqué par écrasement ou balayant. Attaque les tours de la reine pour révéler son cœur. Détruit les portes du château qui bloquent la voie. Oh puis ça fait. Oh puis ça fait des dents et tout, c'est génial. C'est ce genre de machin qu'il faut que je pète pour dévoiler le cœur de la. Ok. Je vais tout casser de toute façon. Pour récupérer un max de trucs. Waouh. Ah, c'est énorme! Waouh! C'est énorme! Eh, c'est bon, les gars, je suis fan. Hein. Oh, purée, puis il y a les traces dans le sol et tout, c'est énorme! Waouh! Ok. Oh la vache! C'est méga dégâts! Hop, c'est ce genre de tour là, je crois qu'il faut que je pète. Vas-y, détruis tout, je veux des dents. La porte elle est là. Waouh! C'est énorme! C'est énorme! Par contre, les ennemis, y'en a. What? Je vais attaquer par quoi là? Ah, y'a un canon! Oh, faut que je fasse gaffe au canon. Ouah, y'en a beaucoup des ennemis là, dis donc. Faut gaffe au canon, il est en train de tirer. Voilà, là y'a rien. Coucou les gars! Putain, ah, ils sont beaucoup! Wouh! Boum! Ah, oh, mais c'est bon, vous êtes mort. Je peux pas? Non, je peux pas casser ça. C'est vraiment. Ouais, non, ok. C'est vraiment interdit d'accès. Ok! Les trucs à casser. C'est quand même bizarre. Non, je vais pouvoir y accéder, mais après, en fait. Oh. Ouh. Ça c'est pas sympa. Oh. Et on écrase le cœur. Allez. Donc en fait la reine vit à travers son château. C'est vrai que j'ai même pas réfléchi à ça, mais si ses cœurs, parce qu'elle n'a pas l'air d'en avoir qu'un, se trouvent à travers tout le château, c'est aussi particulier. Coucou les gars, boum. Je vais déjà avoir 400 dents, quoi. C'est énorme. Boum. Par contre, j'ai aussi changé de tenue. Aussi. Je suis repassé à la tenue normale. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup la tenue qu'elle avait. Mais bon. Oh, il y a des tentacules. Oh, il va y avoir une chier. Oh la vache. Coucou les gars. Il y en a beaucoup, hein. Ah, le canon. Non, allez, saleté. Allez. Dis stop. Faut que je bouge. J'essaye de sur... En fait, je regarde plus le canon qu'autre chose, hein, franchement. Je vais me débarrasser de la tour, comme ça je serai... plus tranquille. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Voilà. Et on écrase le cœur. Ah, c'est. Je fais de la démolition là. Elle est dans la tour, hein. Ils ont pas le droit d'avancer. Ils sont buggés. C'est énorme. On va aller crever. Oh là là. Voilà.
D'accord, faut que je pète le truc carrément, sinon il reste tout le temps. Oh, vache le nombre de dents que ça fait. Oh la vache. Aïe. Donne-moi tout ce que tu possèdes. Ah ouais non, ok, bon. D'abord faire ça. Boum. Oh la vache. Allez. Boum. Allez, dégagez. Ah, il y en a beaucoup là. Voilà. Je vais prendre la boule, c'était sûr. Alors, où est la tentacule? C'est celle-là. Que de violence. Oups, trop loin. Et voilà, ça c'est fait. Tu souffres, hein, mégère. Et j'ai cru qu'elle en avait... J'ai cru que c'était un cri de plaisir. Ah non. Non. Je ne pratique pas le sadomasochiste. Le minat. Je suis pas maso. Oh. 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 Quel joli petit cœur. Je m'en fiche de ce... Je vais lui briser le cœur. C'est triste. Eh ben voilà! Une bonne chose de faite! Ah! Et maintenant je bois pour redevenir tout petit! Ah, t'as pas vraiment bu là, hein. Tu t'es plus aspergé qu'autre chose! Coquine va! Concours de t-shirt! Elle a rechangé de tenue! Concours de t-shirt mouillé avec Alice Lidl! L'endroit et l'envers d'une même. Face d'un dé. Ah, si c'est deux faces d'un dé, il en reste quatre autres. Oh là. Oh, quelle horreur. J'ai cru qu'il allait me suivre. Du regard. Un peu dégueulasse ici, dis donc. Ses mains étaient froides, comme une anguille du fleuve. Bumby, voilà, c'est lui. Bumby, s'il veut réussir un jour, il ferait mieux d'avoir la main plus douce. Ça, c'est vraiment pas le genre de truc que t'as envie de... Aïe. De lire. D'entendre. Oh, vache, la langue. C'est dégueulasse comme toboggan. Oh, punaise. Bon, bah voilà, du coup, je me suis complètement arrêté. Hop là. Au moins, celle-là, on va éviter. Oh. Ok. Quel endroit merveilleux, n'est-ce pas? Alors, moi qui espérais quelque chose de plus joyeux, je me suis un peu trompé. Ça a l'air d'être la suite. Ah, la quatrième salle radula. Parfait. Il y a des yeux partout, c'est dégueulasse. Dégueulasse, je vous dis. Bon alors. Ah oh, yes! Encore un truc où je dois être tout grand. Moi ça me va. Hein. Je prends ça volontiers. En plus ça refait des dents. Voilà. Hop, il y en a un autre là-bas. Ouais, sachant qu'il n'y a pas de tentacule à péter. Voilà. Allez. Brise-toi! Je vois pas en quoi c'est un défi. Enfin, pour moi, les défis radula, je considère ça comme des défis. C'est normal. C'est par exemple quand il faut survivre ou tuer tout le monde, c'est pas. Enfin, je considère plus ça comme des défis que les énigmes ou une espèce de petit voilà, petit moment où on refait quelque chose qu'on a fait au cours de l'histoire.
purée, il m'en remet du coup. Et oups, je suis en gros, ouais d'accord, faut juste que je fasse ça, c'est vraiment pas trop difficile. Mais ouais, c'est enfin là, celui-là, il va être super facile parce que je suis invincible quoi. Faut dire la vérité. Donc là, je peux pas le perdre celui-là. Jusqu'à présent, sur toutes les salles que j'ai pu rencontrer, et je sais pas si je les ai toutes croisées au cours de mon chemin, il y en a qu'une seule que j'ai pas réussi, que je trouvais vraiment difficile au moment où je suis tombé dessus. Et je pense que maintenant, avec surtout la théière, parce que la théière, c'est une très très bonne arme pour calmer un peu quand il y a beaucoup d'ennemis. Je pense que maintenant, la salle, si je la refaisais, elle devrait pas trop me poser de problème. Donc, ouais, enfin, c'est plutôt offert. C'est de la... Oh la vache, c'est de la vie offert. Donc, c'est... Bah, c'est sympa. Ah, pourquoi la plateforme est toute noire? Voilà, il est fini. Du coup, je reviens. Ah, c'est... Bonne réponse, peut-être pas. C'était pas une énigme. Mais... 3 sur 4. Peut-être pour le prochain chapitre, j'aurai une rose en plus. Une rose de vie. La rose de vie. Voilà. Alors. Donc, là, faut que j'aille briser le cœur. S'il n'y a plus rien de caché. J'espère. J'avoue, j'en sais rien du tout. Pourquoi il me parle de fleurs? Bon, comment je fais ça? Comme ça, simplement. C'était un interrupteur. Dégueulasse, si faudrait que quelqu'un fasse le ménage. Hein. Soit... Et j'ai envie juste de... De crever les yeux. Hein? Pourquoi... Oh! Effectivement, j'avais pas vu. D'accord. Oh putain. Il faut pas toucher, je pense que c'est mortel en plus. Toujours le genre de plateforme super sympa. Hop. Où est le cœur? Où est le cœur? Il est là. Bon, on va éviter, hein. Pas envie de mourir. Wow. Doucement. Hop. Là, le v'là. Et ça ouvre la porte. Je suis en train de m'enfoncer dans je sais pas quoi. Je sais pas si c'est le... Est-ce que je suis toujours dans le château? Oui. Je suis toujours dans le château. Mais j'ai l'impression d'être dans l'intérieur... Enfin... Dans les entrailles de la reine. Ah, ils sont rouges maintenant. Ou une... Truc du genre. C'est assez perturbant. Un souvenir... Tout est soumis aux saisons, Alice. Les fleurs et du pervers. Fans. Les souvenirs aussi mènent leur vie. Il faut éliminer ce qui nous blesse. Comme t'as éliminé la sœur d'Alice. Hein? À vous. À vous. Je sais pas ce que ça a fait, mais au moins... Voilà, parce qu'il faut faire les deux... C'est mieux. Hop.
continue. Bon, tant que c'est des ruines comme ça, ça me va, si c'est facile à buter. Ah, ça se fait tout seul. Hop. Tiens. Petit. Ça a l'air d'être la porte où il faut que j'aille. Hop là. Ah non, j'ai cru que c'était une barrière à faire sauter avec la théière. Un secret, quoi, tout simplement. Il a refermé la porte. C'est tout noir. C'est tout noir, ta gueule. Réplique culte. Et ceux qui ne savent pas d'où ça vient, je les bute. Et des méchants. Non, il a pas planté. C'est fort sympathique. Je suis sûr qu'il y a de l'écho. Ah tiens, je peux plus avancer vite. Oh, mais je l'avais même pas vu. Elle est en face de moi. Dis donc, il doit y avoir de l'écho dans ce genre de salle. Elle doit être en face. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle regarde? Pourquoi elle regarde le plafond? Quoi? Bon. Qu'est-ce que t'as à me raconter? Oh, c'est fou! Elle est vivante! On l'avait tuée! Elle était vachement jeune, en fait. On l'avait... Oh, les mains de fou! Je m'attendais à quelqu'un d'autre. J'avoue. Ah, sa couronne, elle vole. C'est ce que le docteur dit, en effet. Tu m'as écarté du pouvoir que j'avais sur nous. Sans trembler. Ouais. Autoriser quelqu'un d'autre à me succéder. Qui? Reconnais vos tentacules. Oh. Tu préfères le souffle brûlant et malodorant comme un enfer souffreteux, déraisonnable, sans pitié ni merci. Je ne le crois pas. N'avez-vous rien d'autre à me dire? Le bon Bix croyait en votre aide. Je crois. Il me faut bien plus que ce que tu m'offres jusqu'à présent. Dans ce cas, nous mourrons tous. Tu m'y sens pas. Quant à moi, je survivrai ici. Mais toi, tu es fini. La destruction accomplit son œuvre. Et tu le sais. C'est très trace de ton passé. En particulier l'incendie. Qui voudrait cela? À qui profite? Alors le pays des merveilles disparaît avec mon esprit? C'est ça. Et si c'est je l'ai mise en marche. Je peux l'arrêter. Je dois le faire. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas tué ma famille. Je vais bien. Je suis innocente. Je suis en paix. En paix avec moi-même. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Ah non, ça je sais ce que ça va faire. Hein. J'ai pas envie de regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de logique possible dans cette folie. Mon avis en tant que docteur est que la démence peut être soignée, mais peut-être pas cette fois. L'autorité doit être observée, voire imposée si besoin. Un mal pour un bien, c'est mon avis et c'est ainsi. Folle comme un chapelier, oh la pauvre. Le pire est fait. C'est fini, terminé. Oublie tout. Oublie Alice, c'est terminé. Oublie tout. Ouais. Oh, vache. Tu mélanges la réalité et l'illusion. Ne sais-tu pas d'où tu viens? Un éléphant n'oublie jamais où il a mis sa tête. Je suis fait raser. Quand tu voyages, prends une petite valise. Et puis je me suis fait démonter ma race. Je me trompe peut-être, votre grâce, mais j'en doute. Tu reprends un chemin glissant. Ne t'éloigne pas en trop. En effet, docteur, bonne question. Oh oui. Et je veux dire, il fait très chaud ici. Je voulais dire, très flou. Et elle n'aide pas. Oh non!
Pas du tout. C'est eux qui sont starbés. J'ai approuvé ta sortie, mais ton retour est très fâcheux. Ma réputation est ruinée. Les gens parlent, Alice, comme un vieux chien. J'ai enterré l'os. Le sais-tu? La loyauté, ne jamais s'enfuir de sa maison. Reste, Alice, reste. Je fais assez peur quand même sans cheveux, hein. Je dois bien avouer. Bah. Alors ils sont barrés. Avec la porte ouverte. Ils sont teubés en plus ou quoi les mecs? Sérieusement? Oh bah je me barre, hein. Oh, vache. J'ai l'impression d'être dans un jeu d'horreur, hein. Mangeons comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, mais sérieusement, ouais. Bon, j'espère la retrouver avec des cheveux, hein, par contre, hein, parce que là, faut que je monte pour partir, mais je veux voir ce qu'il y a ici avant. Trépanation. Oh, super. Les salles de torture, les trucs dans le genre. Les gens sont... Les asiles de fous, c'est vraiment... Je sais pas vraiment si c'est plus un asile de fous, un hôpital psychiatrique. Bah, je suis coincé. Comment je vais... Ou alors par là? Je peux pas ouvrir les portes. J'ai pas de bras. Je vais être par où? Pas possible. Ah bah voilà, j'ai pas avancé assez. Ce serait pas... Comment qu'elle s'appelle? C'est Alice, la plus précieuse des folles. Les instruments sont monstrueux. Mon dieu. Mais un trou dans la tête libère les mauvaises pensées. Juste ce qu'il faut pour un tel cerveau. Bon, pour les crises aussi. Il faut être aussi malade que ceux après qui on râle. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais sérieusement, bichu. Phlébotomia. Oh non. Ça me dit quelque chose. Je pense que c'est ça le pire en fait. Certains états mentaux exigent la pratique de la saignée. Le docteur ne pense pas que ce soit nécessaire pour vous. Mais je suis au bout du rouleau. Et ces sangsues ont soif. Treize à la douzaine, infirmière. Laissez-moi les poser. Non, moi, pour que ça fasse pas. C'est les jumeaux. Je sais plus leur nom, mais c'est les jumeaux. Voilà. Le sang qui coule. Puis, bah, et puis les sangsues qui tombent. Oh là là. On continue le chemin vers les enfers. Bloc. Dans quel sens faut-il s'y prendre? J'allais dire que... Aplatoie-tu. Laisse-moi. La chirurgie? Non. À rendre fou. Tu l'es. Ah, elle est en train de confondre les... Enfin, confondre peut-être pas, mais... D'un côté, on a les jumeaux. Puis de l'autre côté, on a les... Les mecs qui... Enfin, les infirmiers. Chopotin? Quelqu'un parle de cul? Ça m'intéresse. Y a un renard dans le poulailler. Oh là là. Arrêtez avec les rimes. S'il vous plaît. Patience. Patience. Ça, c'est la sortie. Non? Une salle d'attente, ça. Me doit-on moins de respect et d'obéissance qu'à la reine? Serait-ce trop demandé? Je veux la même chose qu'elle. Mets-toi bien ça dans la tête. Ne pense plus à ces tentacules. Le train est bien plus confortable. C'est ça ou un retour à Rutledge. Jamais un mot gentil. Oula. Ou un remerciement pour mes services. N'ai-je pas droit à mieux que ça? Ce que je dis, c'est que vous ne devriez pas cracher sur ce que je vous ai donné. Je vous ai fait sortir de l'asile. Mais maintenant, c'est vous qui choisissez d'y retourner. Je l'ai dit à ta mère. Oh là, tout le monde. Un enfant têtu qui se renferme dans son monde. Grandir, c'est quitter le monde merveilleux. Le monde réel n'est pas aussi fantastique. Il faut que tu grandisses. Ou as-tu encore besoin de soins? Vous avez l'air bien. Il est en pyjama.
Je sais que vous êtes instable et violente. Je ne suis pas surpris de voir que vous êtes à nouveau interné dans cet asile. Mmh. Un long séjour sous surveillance vous fera du bien. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ouvre les portes. Oh là là. Wow. Mais il est... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon gars? Ah, je sais qu'il faut que j'aille par là, mais... Ok, oh là. Oh là là. Oh. Je crois que j'ai dû louper un truc. Oh! Des cheveux! J'ai récupéré mes cheveux! Wouhou!